Oui, bonjour Louis, c'est Valentin. Je t'appelle parce que nous sommes en train de s'occuper de ton accrochage. Je voulais savoir, en fait, là on a 25 planches et pas 27, donc je voulais savoir si c'était normal ou s'il y avait eu un oubli dans ce que tu nous as envoyé. Et puis comme ça, tu me fais un petit retour, savoir si... Si c'est normal ou si les planches qui manquent, elles sont à ajouter. Chaque scénographie est complètement différente. Et là, en fait, la difficulté, en tout cas le challenge qui était à faire, c'est qu'il y a énormément d'artistes. Il y a quand même 30 artistes dans une seule expo, dans quasiment un seul espace, qui ont tous des médiums et des tailles différentes. Et c'est pas une exposition photographie, ça peut être on gère la luminosité, l'accrochage, alors que là, la difficulté, c'est chaque œuvre a des besoins différents. On a énormément d'œuvres sonores qui sont dans la même pièce, donc ça, c'est aussi une difficulté. Après, tac. Et là, la distance ici, à peu près, c'est quoi, 2 cm, 1 cm. Entre les images ? Ouais. Non, de l'accroche. Ouais, c'est 1 cm de chaque. Ok. Mais après, ça, on fait à l'œil. Ok. Je m'appelle Zoé, je suis artiste photographe. Je travaille avec l'image et notamment l'archive pour essayer de penser des phénomènes sociétaux de façon plus critique. Bon, bah nickel. Ce travail traite des féminicides. Et c'est la seule image où il y a la figure du meurtrier qui apparaît. Donc c'est un double portrait, il y a le meurtrier et la fille du couple. Donc il y a une fille de 6 ans qui était présente sur les lieux du crime et qui, elle, a les yeux bandés sur l'image d'origine. Ce que j'ai fait subir à l'imprimante et ce que l'imprimante a fait subir à l'image, tout disparaît, enfin, surtout le meurtrier et tout devient diffus comme noyé, quoi. La plupart de ces artistes ne se revendiquent pas comme des artistes humanitaires au sens propre ou engagés avec une étiquette particulière. D'une part, ils sont trop jeunes pour ça, d'autre part, ils n'ont pas envie d'être enfermés dans une catégorie trop précise. Mais par contre, s'ils candidatent, c'est qu'ils comprennent que leur travail porte une attention très sensible à des enjeux de société. Tous les artistes qui sont réunis dans cette exposition me touchent énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils portent une attention très sensible à l'humain et à notre rapport à l'autre. Et donc, dans toutes ces propositions, je vois en fait une attention à la vulnérabilité du corps, des conditions de vie, à des situations qui peuvent être précaires. Et donc, c'est un regard d'artiste sur ces situations-là qui me touche de façon générale. Ma démarche, c'était de faire une collection et de montrer toute la richesse qu'on pouvait trouver dans mon quartier, qui est un quartier populaire et ouvrier. Et du coup, j'ai fait une collection femmes, ultra féminine, pour justement aller à l'encontre des codes préétablis qu'on pourrait penser qu'il y aurait dans ce genre de quartier. Et du coup, voilà, j'ai fait des vêtements avec des maillots de foot recyclés, qui sont pour moi le symbole de là où je viens. J'ai fait cette pièce, pour moi, c'est la plus représentative parce que c'est un tissage de maillots de foot, mais avec une technique de ma grand-mère qui est suédoise. C'est un tapis, mais c'est aussi une jupe. Ou bien une tapisserie qu'on peut mettre contre le mur. Enfin, ça a plein de facettes. Le fait aussi de récupérer des vêtements pour montrer que voilà, même si on n'a pas grand-chose, on arrive à se débrouiller avec ce qu'on a. Du coup, comme nous, on sait tout faire. Moi,
mon travail était d'accompagner ces artistes, notamment en mettant un cadre, des limites qui sont celles que nous, humanitaires, avons aussi. Par exemple, ne pas faire de politique en faisant de l'humanitaire. Essayer de résoudre des problèmes complexes tels que la famine, répondre à des questions de réfléchir à prévenir les violences sexuelles dans les conflits. Comment des artistes peuvent nous permettre d'appréhender des questions complexes? Comment, à travers leur regard, leur distance, ils arrivent à amener un regard neuf sur des questions parfois insolubles? Ce mur permet aux visiteurs d'aller un petit peu plus loin, de réfléchir au-delà des idées préconçues, notamment à travers des questions qui paraissent au premier abord simples, mais qui sont assez complexes. Ce mur leur permet aussi, eux, de poser les questions qu'ils ont en tête. Et moi, je me réjouis de lire les réflexions des visiteurs, parce qu'il y aura certainement des questions auxquelles on n'a pas pensé. Et je vais tenter d'y répondre avec mes collègues, qu'ils soient ici au siège ou aussi sur le terrain. Je suis né à Genève et j'ai effectué tout mon cursus scolaire à Genève. J'ai commencé par un CFC de graphiste au Centre professionnel des arts de Genève et j'ai ensuite enchaîné avec un bachelor en communication visuelle. Parole d'artiste, c'est un projet de capsule audio qui permettra au public d'entendre les différents artistes qui sont exposés dans l'exposition concernée. Donc c'est à peu près 28 capsules en français et en anglais qui donneront des mots-clés, des approches va dire personnelles des artistes qui expliquent leur processus de création, disons, qui pourraient permettre de poser le contexte. Nouvelles lettres, de nouveaux signes alphabétiques qui viennent remplacer les terminaisons féminines. Le truc, c'est qu'à partir du moment, genre, à force d'écouter tout le temps les voix, et après, fait que tu oublies de... Tu vois plus les répétitions, tu vois plus l'éthique. Le processus, en tout cas de ma part, ça a été de les accompagner pour qu'ils soient le plus intelligibles possible dans leur discours, voire même des fois de vulgariser un peu leur, les vocabulaires qu'ils utilisaient, de manière à ce qu'ils soient compréhensibles par tout un chacun. Ainsi transmettre le message qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, les mots ont une importance. C'est à travers la langue que l'être humain communique, repense comment on parle. C'est marrant de se dire qu'à chaque fois qu'on parle du projet, on le présente un peu différemment, qu'on a plein de mots pour les décrire. Et puis c'est vrai que maintenant, ce projet, il est toujours le même, mais j'ai une autre manière d'en parler, par exemple. C'est la première fois que j'applique ces signes, en fait, pour une utilisation. Donc là, c'est la première fois que je les vois imprimés sur autre chose qu'un projet à moi. C'est un peu le carte de visite, le plus gros projet qui a été le plus important pour nous. Et puis de le voir pour le musée de la Croix-Rouge, c'est assez... C'est cool, ouais.